It's all good. C'est dans ce cadre que sur l'invitation à la 19e session tenue à La Haye, envoyée par M. Ogno comme président honoraire de l'Assemblée des États partis, le chef de l'État m'avait confié un message à porter à la Cour. Il s'agit du soutien de la RDC aux idéaux de paix, de justice et de la solidarité qu'évêquait la Cour. Un message de soutien aux activités de la Cour, mais aussi un appel à l'amélioration de ses capacités et à la coopération nécessaire aux enquêtes et poursuites en vue d'accroître l'impact de la lutte contre l'impunité des crimes les plus graves. C'est le sens qu'il faut donner à cette rencontre d'aujourd'hui, qui est, pour tout dire, un moment tout aussi fort que solennel pour réaffirmer l'attachement de notre pays à ses idéaux malgré les multiples défis. C'est l'occasion de reconnaître le mérite de son Excellence pour sa vision et lui réitérer ma profonde gratitude pour sa confiance et l'honneur qu'il m'a fait en me nommant à cette fonction. Monsieur le procureur, la République démocratique du Congo est un modèle de coopération avec la Cour pénale internationale et elle entend poursuivre le dialogue, comme je l'ai dit précédemment, constructif avec votre bureau sous votre leadership. Cette rencontre que le président de la République a voulu ici au Palais de la République sera désormais gravée dans l'histoire, les pages de l'histoire de cette longue et fructueuse coopération au service de la justice pénale internationale et avec votre institution. Mesdames et messieurs, je vous remercie. À cette étape de la signature, Assembly of the Senate, Prime Minister, Minister of Justice, and Excellencies, ladies and gentlemen. It's a great pleasure to be here at the invitation of His Excellency the President. The very first meeting I had as prosecutor of the ICC with the head of state was with the President of the Democratic Republic of Congo. And when I met him for the first time, the relations between my office and the African Union were not in the best of places. It was his leadership, Mr. President, for which I am extremely grateful, that played a very important part in a smooth transition for me, the invitation to the African Union Heads of State Summit, the engagement with President Macky Sall when he passed on and he received the baton of chairmanship and the presidency of the African Union, and the work, of course, of Chair Mr. Faki. That engagement with the African Union isn't some abstract concept. It is born from a realization that justice has to be close. It has to be close to the people. Next year, the International Criminal Court would have been involved for 20 years in the DRC situation. There has been good cooperation with the DRC. There have been trials and there have been convictions. But unfortunately, too many girls, too many boys, too many men and too many women continue to be violated and raped. I've seen those victims
I have seen children that were raped, that themselves have given birth to children who have been raped, and that cycle will continue unless we build these new partnerships. I think there's been very good work done by different aspects of the DRC authorities, the work of the military prosecutors, but our pace needs to increase. My office, I'm committed, Mr. President, to working with you, pursuant to the MOU just signed in your presence. Thank you for gracing the event. But we need to make sure these are not pious promises that are not felt by the people of this country. That requires a willingness to work hard, to deliver justice, to look at more imaginative options. Le premier président, j'ai rencontré, il me demande d'ajouter aussi le point focal de Michel Serrault qui n'avait pas cité. Vous avez été le premier président africain que j'ai eu à rencontrer juste quelques mois après ma prise de fonction en tant que procureur de la Cour pénale internationale. En ce moment, au moment où vous me receviez, les relations entre le bureau, la Cour d'une manière générale, et l'Union africaine n'était pas vraiment bonne. Mais sous votre leadership, vous m'avez aidé à renverser la tendance et c'est grâce à vous que j'ai assisté à la 35e session de l'Union africaine et j'ai assisté aussi au passage de symbole entre vous et le président du Macky Sall. C'est vous qui avez facilité tout cela. Donc je vous suis très reconnaissant pour cela. Ceci dit, nous devons aussi reconnaître que la justice ne doit pas être seulement une promesse, ça doit être plutôt un résultat concret, probant pour les victimes qui n'ont fait que longtemps, qui n'ont attendu que très longtemps. Cela doit se faire sur la base des principes et idéaux du statut de Rome, notamment la complémentarité. La complémentarité fait partie des idéaux du statut de Rome, c'est-à-dire que l'État a la première responsabilité, mais aussi la CPI doit venir à chaque fois qu'il est possible pour assister les États. Ces derniers jours, j'ai été très bien accueilli chez vous avec la délégation gouvernementale qui m'a accompagné. Nous avons été à l'SPP. J'ai vu des enfants violés, j'ai vu des filles violées, j'ai vu des enfants amputés, j'ai vu des victimes qui souffrent énormément. Beaucoup de choses ont été faites, Monsieur le Président. Nous devons le reconnaître. Vous avez fait beaucoup de choses. Votre pays a fait énormément de choses. Mais il reste. Le rythme doit être accéléré. Nous devons accélérer le rythme. Comment accélérer le rythme? Il faut faire les choses autrement. Avoir une approche beaucoup plus holistique, une approche beaucoup plus générale, pour faire en sorte qu'on ne restera pas là encore 20 ans après à parler de ces crimes. Des solutions beaucoup plus imaginatives qui nous interpellent et nous sommes prêts à travailler avec vous afin que nous arrivions à mettre en place une nouvelle dynamique. Si nous faisons ce que nous pouvons, si nous pourrons enfin nous regarder en face parce que nous aurions fait notre devoir, nous devons travailler ensemble à cette nouvelle dynamique collectivement pour faire mieux. Voilà le sens de mon discours, voilà pourquoi je suis ici. Je vous remercie encore une fois pour tous, pour l'accueil, pour l'assistance, pour tout ce qui a été fait pour nous durant ce voyage et je vous remercie. L'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, monsieur le procureur de la Cour pénale internationale, mesdames et messieurs les membres de la délégation du procureur de la Cour pénale internationale, mesdames et messieurs, distingués invités, Monsieur le procureur, c'est avec un grand plaisir que je vous souhaite, ainsi qu'à votre délégation, la chaleureuse bienvenue en République démocratique du Congo, au nom du peuple congolais et en mon nom personnel. Monsieur le procureur, mesdames et messieurs, distingués invités, la République démocratique du Congo est un État parti du statut de Rome, instituant la Cour pénale internationale qu'elle a ratifiée le 2 avril 2002. À ce titre,
Elle adhère pleinement aux principes et valeurs prônés par ce traité historique. En sa qualité de 60e État signataire du statut de Rome, mon pays a permis, et c'est un rappel historique important, l'entrée en vigueur du statut de Rome, partant le fonctionnement de la Cour, et ce, conformément aux dispositions pertinentes de son article 126. Outre cette particularité, la République démocratique du Congo est réputée pour être non seulement le premier État à avoir renvoyé la première situation à la Cour, mais également le premier à avoir fait l'objet d'un verdict et à expérimenter la mise en œuvre des principes de réparation pour les victimes des crimes poursuivis par la dite Cour à travers la dite affaire Thomas Lubanga, jugé en 2012. Par cet acte de renvoi, mon pays a marqué l'histoire de la Cour pénale internationale et a ouvert la voie d'une expérience jurisprudentielle abondante de cette juridiction pénale internationale permanente de lutte contre les crimes de génocide, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et les crimes d'agression. Aussi, cet acte et la succession d'événements y afférents nous permettent de nous rendre compte de l'utilité et de l'importance du principe sacro-saint de coopération qui est l'un des piliers du statut de Rome, qui offre une garantie dans la matérialisation de l'idée selon laquelle l'impunité, surtout pour les crimes les plus graves, est irréconciliable avec la paix durable, la stabilité nationale, régionale et internationale. Monsieur le procureur, mesdames et messieurs, distingués invités, comme vous le savez, le monde fait face à de nombreux défis. Au nombre de ceux-ci, outre les questions relatives au respect des droits de l'homme, il y a lieu de citer celles liées à l'exercice et la protection des peuples et de la souveraineté des États. En effet, au cours de ces dernières années, les actes d'agression visant un État membre, comme ceux actuellement injustement dirigés contre la République démocratique du Congo par l'un de ses voisins, se sont multipliés. Cette typologie d'actes qui affectent la conscience collective de l'humanité est à la base de la création, à travers le statut de Rome, d'un référendum d'accord conclu avec le bureau du procureur pénal, de la Cour pénale internationale. Cet engagement renouvelé traduit notre volonté de renforcer la coopération avec votre bureau, que nous entrevoyons surtout dans le cadre d'une coopération active et dynamique, tournée vers les idéaux de justice et de paix, aujourd'hui menés par mon pays. Au niveau national, la République démocratique du Congo est déterminée à poursuivre ses efforts dans la mise en œuvre de sa politique nationale qui met la justice au centre du système de gouvernance pour poursuivre et punir les crimes. Ceux internationaux. Pour ce faire, nous avons besoin de l'appui de la Cour pénale internationale et de ses partenaires. C'est ici le lieu de me féliciter des résultats obtenus par la justice congolaise, plus particulièrement la justice militaire, dans ses efforts de rendre justice aux nombreuses victimes ayant souffert d'atrocités que mon pays a connues. Le rapport reçu à ce sujet met en lumière l'évolution positive du traitement des cas prioritaires. Certains ont fait l'objet de jugements, d'autres sont en cours de traitement par les cours et tribunaux civils et militaires. Je voudrais particulièrement remercier tous les partenaires
qui ont apporté une assistance technique à la justice congolaise dans le traitement de ces cas et dans tant d'autres procédures judiciaires. Je sais qu'ils sont nombreux et je voudrais leur dire que je leur suis très reconnaissant. Je leur exprime sa gratitude pour cet accompagnement. Monsieur le procureur, tel qu'évoqué précédemment, le défi de l'efficacité de la justice pénale internationale face aux enjeux mondiaux contemporains appelle avant tout à un renouvellement du soutien des États membres, des organisations internationales ainsi que de la société civile à la Cour. En ce qui nous concerne, sachez que la République démocratique du Congo vous soutient et qu'elle continuera, comme État membre, à apporter sa coopération à la Cour. Je me réjouis ici de l'initiative que vous avez prise devant l'Assemblée des États parties en décembre dernier, dans le cadre du droit d'accès à la justice, consistant à approcher la justice des justiciables, dans la prise en charge judiciaire des cas matériellement et techniquement possibles d'être gérés par les États, comme stratégie de distribution efficace et rapide de la justice, et spécialement au profit des victimes. C'est une vision que je partage et que je continue à appuyer au niveau national et africain. Je vous remercie. Excellences, Monsieur le Président de la République, thank you for your question. As many of you know, the situation in the DRC is not new. It has been going on for almost 20 years. It was referred by the authorities in 2004. The court has been active. There have been 5 cases. There have been 3 convictions. So I came here to hear from the victims, and I think you should be very proud of the victims, the survivors, and the people of the DRC, because they believe in justice, even though they've been violated in so many ways. We need to find a new paradigm. We need to work with more imagination, working, of course, at the international level where necessary, but trying to put further life into the national systems. And the MOU we just signed here was a concrete example of trying to be a force for change to support the national authorities so there's more justice, that it is more deeply felt, it penetrates more deeply into the soil. And that's necessary for there to be peace, there has to be justice. And I think this is something that the people of the DRC crave a very great deal. But there's going to be a lot of work required. And I've come here really as a bricklayer to be willing to roll up my sleeves, the sleeves of the men and women of my office, to work more effectively with greater focus for the people of the DRC, with the DRC authorities. This is not an ICC problem. This is a shared obligation with the fundamental responsibility on the DRC authorities. I think the President has said repeatedly, and he's shown that he's open to imaginative solutions. The MOU we've signed today is the first step in that, and now we need to make sure we don't just speak, we deliver more effectively for the people of this country. Thank you so much. La question a été renvoyée à la Cour depuis 2019. Depuis lors, beaucoup de choses ont été faites. Des choses ont été faites au niveau national. Mais la réalité simple est que les crimes sont encore en train d'être commis. La réalité simple est que nous devons changer de manière de faire, nous devons adopter de nouvelles approches, nous devons adopter une approche beaucoup plus dynamique, une collaboration, une approche beaucoup plus collaborative avec des parties prenantes, pour qu'on ne reste pas encore 20 ans après à parler de ces crimes. Que le MOU qu'il vient de signer, ce n'est qu'une partie de cette nouvelle approche que nous allons mettre en place. Voilà, d'une manière générale, résumée, c'est qu'il faut. Donc on est allé là-bas.